La salle de répétition du corps de ballet à l'Opéra de Paris en 1867. Un, deux, un, deux. La tête, la tête, la tête, là. Les ports des bras, là, là, bene così, là, là, là. Cambré, cambré, mademoiselle, ma. Non, gracioso, gracioso, comme moi, guardate-moi. Ah, oh, oh, madre mia, ma non. Reprenez une fois ces petits pas, mais surtout quand vous dansez, n'oubliez pas de jouer, car c'est très important, de la jambe et de la prunelle. En même temps, dites-vous que les hommes ont des jumelles qui grossissent votre faux, mademoiselle. Si vous leur faites de l'œil, les vieux messieurs dans leur fauteuil oublient des pieds, les faux pas de vos pieds. Là, un, deux, un, deux, un, deux, brisez, hop! La bonne tison, pique, pique, les essentés des ailes de pison. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, ça n'est pas gracieuse. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, ça manque de poêle. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, non, ce n'est pas mieux. Ah, je comprends, vous garderiez plutôt les oies. Le ballet, on n'a pas de goût pour ça. Vous seriez mieux balayeur, carami. Vous ne savez pas, monsieur, ça m'a néanti. Vous dansez comme une fiasco de Chianti. Et maintenant, s'il vous plaît, des deux côtés, formez la haie comme ceci pour l'entrée de Fanny. Fanny n'est pas arrivée. Okay. Elle est en retard. Fanny Grandpré, oh, un futur premier sujet. Tout dépend de ce qu'il retient. Dame, un marquis. Qu'est-ce que tu dis? C'est une marquise? Oui, maître. Et même ça, il faut l'avouer. Charmant, tout jeune. Oh, mais je savais pas. Il y en a donc des jeunes. Lieutenant de cavalerie. Riche comme un boyard. Moment. Une marquise? Est-il bien à la cour? Quel est ce grand seigneur et comment il se nomme? Octave de Chalancey. Ah, c'est elle. Vite, vite, mademoiselle, vite. Vite, presto, mademoiselle, refermez la haie pour l'entrée des Fanny. Attention, c'est par là qu'elle apparaît. Rendez-vous. Attention, à bien reformer la haie. Pressez-vous. Souvenez-vous que nous assistons dans la pause que voici, car il faut faire une belle entrée à Fanny. Qu'est-ce qu'elle fait? Il faut faire une belle entrée à Fanny. Recommencez. Il faut faire une belle entrée à Fanny. Mais qu'est-ce qu'elle fait?
mademoiselle à Grand Pré. Rien, ce n'est tout à rien. Non, qu'est-ce que vous croyez ici? Excusez-moi, maître. Oui, je suis à mon rencontre en retard et j'en ai honte. Mais il faut que je vous conte ce qui vient de m'arriver. Maintenant, Fanny, va t'habiller. Dépêche-toi. Oh, voici Monsieur Brunner, père et fils. Le programme, messieurs, dames, ne dit pas notre profession. Ça, c'est une vraie lacune. Faisons les présentations. Grand mécène de la scène, mais nous sommes les deux Brunner. On s'en doute, mais j'ajoute Brunner fils et Brunner père. On nous voit toujours ensemble. Notre métier nous rassemble et toute la terre, même l'Angleterre, connaît Brunner fils et Brunner père. Et dans les deux hémisphères, nous brassons des tas d'affaires, chassant les étoiles, transitons les voiles, on ne voit pas tout que nous. Je suis un impresario, c'est un métier très beau. Nous sommes en amour, tous deux impresarios. Pardon, papa, l'on dit, nous sommes un impresari. Nous sommes un impresari, avec deux i. Plein d'adresse, de finesse, on essaie de dénicher l'oiseau rare qu'on prépare en tâchant de l'attacher. Brunes ou rousses, on les pousse jusqu'à la célébrité. On les pose, les impose à coup de publicité. On s'occupe des voyages, des billets et des bagages, et de leurs affiches, et de leurs postiches, et quand elles en ont, de leurs caniches. On s'occupe de leurs costumes, et des bonbons pour leur rhume. C'est toute leur vie que l'on sacrifie pour un tout petit temps pour cent. Je suis un impresario,
C'est un métier très beau. Nous sommes en amont, tous deux impresarios. Pardon, papa, l'on dit. Nous sommes impresari. Nous sommes impresari. I. Avec deux I. Monsieur Saint-Prix, la répétition est-elle terminée? Vous croyez qu'on peut appeler ça une répétition? Fanny Grandpré vient seulement d'arriver. Un contretemps, alors, parce que sa conscience professionnelle... Croyez en mon expérience. Au printemps, la conscience professionnelle des danseuses est généralement en baisse. Et votre Fanny est pareille aux autres. Non, elle te l'a, monsieur Saint-Prix. Elle a des excuses. À cette heure-ci, je peux trahir le secret. Fanny peut se moquer de l'opéra. Elle part pour Londres demain. Et avec quel engagement? Un engagement brunaire, c'est tout dire. Vous êtes sûr qu'elle va partir? Dame. Eh bien, pas moi. Quoi? Non, laisse. Mais voyons, Saint-Prix, pensez donc, Covent Garden, mais aucune n'est retournée là-bas depuis la Guimard. Eh bien, malgré tout ça, ça m'étonnerait qu'elle parte. Alors, il serait folle. C'est ce qu'elle dit. Je la connais, elle a la tête solide. Mais il s'agit du cœur. Enfin, c'est le mot en usage, même ici. Comment vous? Vous voulez dire qu'elle aime? Il paraît. Une preuve. C'est un jeune homme. Sans les caprices des femmes, la vie manquerait d'imprévu. Bonsoir, messieurs. Un jeune homme, n'avoir rien vu. Alors là, je vieillis. Il faut que je lui parle. Ah, non, papa, laisse-moi faire. Moi, je saurai. Je trouverai les mots qu'il faudra. Comment je partirai pour Londres et elle ne viendrait pas. Mais voyons, regarde-moi donc. Mais sur ma vie, tu es amoureux d'elle? Pas exactement. Comment? À 18 ans, mais tu n'as pas honte? Ah ça, mais est-ce que tu es ici pour apprendre les affaires, oui ou non? Mais oui, père. Alors, mon garçon, écoute-moi. Pour un impresario, une femme, c'est une artiste. Et une artiste, c'est un contrat. Et maintenant, retiens bien, mon petit, ce conseil dont tu me remercieras plus tard. Si tu aimes les cœurs à la crème... Ne les choisis jamais dans ta propre crèmerie. Hein? Oh, voici notre belle artiste. Oh, c'est Monsieur Brunner. Qu'elle est belle. Mais dis-le donc, elle est éblouissante. Il est trop jeune, excusez-le. Mais si, père. Et Mademoiselle Fanny Grandpré est mieux que belle. Elle est... Assez. Alors, chère divine, le projet de contrat vous satisfait, je pense. Je ne l'ai pas regardé. Oh. Non. Oh, ne vous fâchez pas. On a si souvent de vrais regrets. Alors, n'est-ce pas ceux qui sont inutiles? Monsieur Brunner, merci. Mais cette affaire n'est pas possible. Pas possible? Impossible. Vous êtes bien gentil. Mais oui. Croyez bien que je vous remercie de tout mon cœur. Seulement, quitter Paris. Non, vraiment. Comment vous dire? Quelque chose me lie. Votre dédit ici, le contrat l'a prévu, il nous coûte assez cher. Je ne parle pas de ce dédit-là, mais d'un autre, que je ne pourrais payer sans me ruiner. Ah, croyez en mon expérience. Vous pourriez tout tenter, traduire toutes les nuances, danser l'ivresse, la jalousie, le désespoir. J'aime mieux danser de joie, comme maintenant, comme ce soir. Tenez, venez me voir ce soir dans Léonore. Jamais je n'aurais mieux dansé, je crois. Bravo. Mais jamais non plus je ne danserai mieux. Je vous demande pardon. Voici les ballerines. Nous allons répéter. Déjà, j'ai retardé tout le monde. Mais le contrat pour Londres, mademoiselle. Nous en reparlerons. Venez me voir chez moi. Je viendrai tout à l'heure. Nous avons confiance. Si nous faisons des trouvailles, c'est pour l'art que l'on travaille. Et peu nous importe si ça ne rapporte qu'un tout petit temps pour cent. Un salon chez la douairière de Chalancey, rue Saint-Dominique, à Paris. Florent, à qui destinez-vous ce couvert? Mais à monsieur le maréchal, madame la marquise. Et vous êtes à mon service depuis? Je suis entré au service de madame la marquise en 1838. Une bonne pièce de 29 ans. Et vous ne savez pas encore que le maréchal est gaucher? Mes excuses, madame la marquise. Ah, Florent, vous vieillissez. C'est pour quelle heure, cette corvée? Et c'est pour 4 heures. Des voitures entrent dans la cour, madame la marquise. Oui,
oui, les Chalancais sont toujours exacts. Ils en sont même assommants. Monsieur le président de Chalancais. Bonjour, cousine. Ravi de vous voir, Arthur. Hein? Ravi de vous voir. Monsieur le colonel, comte de Chalancais. Ma tante, quelle charmante mine. Et vous, Mathias, une taille de sous-lieutenant. Monsieur le chef d'escadron Sosthène de Chalancais. Ah, tante Catherine, un goûter chez vous comme au bon vieux temps. C'est ça, je vous revois avec vos boucles blondes. Je suis tout de même pas si vieille que ça, mon. Monsieur le comte de Chalancais-Croisville. Ah, ma chère tante, quelle joie de vous revoir. Je craignais d'être en retard, je me suis emberlificoté dans toutes ces patates, car prendre le chemin de fer de mon vivant, jamais. Et après, il y a peu de chance. Enfin, je suis arrivé. Puis-je savoir pourquoi on m'a fait venir de Ruffec? Vous saurez tout, Cyprien. Et vous aussi. Nous attendons le maréchal. Ah, l'oncle Antoine vient aussi. C'est lui qui a désiré cette réunion. Oh, oh, un conseil de famille, alors. Non, cette fois-ci, il s'agit d'Octave. Hélas. D'Octave. Alors, je vois, il aura pris une culotte d'importance au cercle impérial. Et c'est pour ça qu'on m'a fait venir de Ruffec? Malheureusement, la chose est plus grave. Il s'agit d'une fille. De mieux en mieux. Alors j'aurais roulé 48 heures dans d'affreuses diligences à cause d'une lorette. Son Excellence, Monsieur le Maréchal de Chalancais. Ah, mon cher Antoine, nous n'attendions plus que vous. Le conseil de famille est au complet. Mes hommages, Catherine. Cher Mathias, cher Sosthène, bonjour Arthur. Tiens, la province a bougé. Comment va la Charente? Au mieux, mon oncle. Je regrette que l'occasion qui nous rassemble soit assez triste. Il s'agit de ce clampin d'Octave. Qui, malgré l'uniforme, se conduit comme un simple cocodesse. Si c'est pour ça qu'on m'a fait venir de Ruffec. A-t-on des détails? Nous arrivons. Que nous veut-on? Quel est enfin le but de cette réunion? Messieurs, d'abord. Parlez plus fort. Asseyez-vous. Asseyons-nous. On est à vous. La chose est grave. Pour qui, mon Dieu? Mais pour Octave. Notre neveu? C'est un vogue. Je n'entends rien. Qu'a-t-il donc fait? Voici les faits. Je suis inquiet. Qu'avait monsieur notre neveu? Il s'est torqué d'une actrice. On n'a pas le droit de faire ça. Une actrice, c'est du vice. Parlez fort, je n'entends pas. Une fille de théâtre. On n'a pas le droit de faire ça. Il paraît qu'il lit de l'ordre. Nous y mettrons le cola. Une actrice, que c'est triste. Il faut lui crier casse-cou. Une actrice, quelle chantrice. Par-ci, retardez-vous. Ce n'est pas tout. Que dites-vous? Voici plus fort. Qu'y a-t-il encore? On est d'accord. Il veut l'œuvre. Il veut quoi donc? M'en faire sa femme. En nom de nom. Quel déshonneur. Il est 5 heures. Ce n'est qu'un dain. C'est un gredin. C'est un serin. Se proposer de l'épouser. Faire sa femme d'une artiste. On n'a pas le droit de faire ça. C'est agir comme un novice. On n'est pas bête à ce point-là. Avec les femmes de théâtre. Quand nous avions l'âge qu'il a, on passait des nuits folâtres. Mais on les épousait pas. Une artiste, que c'est triste. Il faut lui crier casse-cou. Une actrice, quelle actrice. Pas possible d'avez-vous. Est-ce que tout ça est si grave? Octave est bien jeune encore. Ma sœur, quand le prestige du nom est en jeu... J'ai pourtant souvenir qu'autrefois, la maison de Chalancé s'était sérieusement intéressée au sort du corps de ballet. Ah oui, oh oui, une petite Fanchon de 16 ans. Ah, oh adorable sourire. Allons, allons, allons. Notre maison, en tout cas, n'a jamais poussé cette curiosité jusqu'au mariage. Monsieur le marquis Octave de Chalancé. Bonjour, tante Catherine. Mes respects, mon oncle. Ah, l'oncle Arthur aussi. Mon colonel, tu vas bien? Tu vas bien, mon commandant? Et jusqu'à l'oncle Cyprien qui est venu de Ruffec. Mais tous les Chalancais en savent. Mais quelle aubaine! Nous nous voyons si rarement. Cette réunion n'est pas l'effet du hasard. Nous avons à te parler, Octave.
Je commençais à m'en douter. Assieds-toi, mon petit Octave. Avant tout, mon vieux, je te rappellerai que tu es le dernier tenant du nom et du titre. Oh, voilà qui sent le conseil de famille. Parfaitement. Hein. Il paraît qu'en ce moment, à propos d'une certaine ballerine, Mademoiselle Grandpré, je crois, on parle beaucoup de toi. C'est me faire beaucoup d'honneur. Lieutenant, on affirme, et je te prie de nous dire si c'est vrai, qu'on t'aurait entendu au Jockey Club parler de cette créature comme d'une fiancée. Monsieur le maréchal, c'est tout à fait exact. Il est fou, archi-fou. Allez, on s'en va. Avez-vous seulement réfléchi aux conséquences? Les conséquences? Mais je les ai dénombrées une à une. Je me vois par avance unie à la meilleure et à la plus charmante. Vous me dites qu'elle n'est rien qu'une danseuse incomparable. Mais justement, en m'épousant, voilà la mésalliance. Son nom la précède et la porte partout. Moi, je traîne le mien comme mon sabre. C'est inimaginable! Mais inouï que nous ayons à entendre des choses pareilles. C'est pour ça qu'on m'a fait venir de Ruffec. Je ferai mon devoir. Octave, je provoquerai votre déchéance. Le titre vous sera ôté. Ce ne sera qu'un colifichet de moins dans ma corbeille. Oh, assez, monsieur! C'est scandaleux! C'est immoral! Il y a des belles! Une danseuse! Une cascadeuse! Une théâtreuse! Quelle chose affreuse! Mais réfléchis! C'est du gâchis! La pollution! La tradition! Aimer une fille qui se maquille! Pour la famille, c'est un affront! Je crois la cause entendue et je n'ai pas le cœur à plaider davantage. Parce que je vous connais trop bien. Et que vous ne la connaissez pas. Et puis à me trouver ici devant vous, je sens mieux tout ce qui nous sépare. Si, loin de ces lourdes tentures, vous étiez assis dehors sous quelques tonnelles, vous penseriez peut-être d'autre sorte, rien qu'à voir les garçons et les filles passer au bras l'un de l'autre. Non, vous n'en convenez pas. Alors, c'est difficile parce que moi, quelque mal que vous vouliez me faire, je ne ressens pour vous ni colère ni rancune. Tant pis. Et puis, que peut-on faire, hein? Rien. Je l'aime. Oh! Apaisez-vous, car entre nous, le vrai motif, le seul fautif, c'est, voyez-le, ce beau ciel bleu. Ce renouveau, ce temps si beau. C'est un gamin. Tout va très bien. Oui, mais mon cher, que va-t-on faire? Mais rien du tout. Que voulez-vous? Et c'est pour ça qu'on me dérange. Je trouve étrange ces façons-là. C'est incroyable. C'est un payable. Si c'est ainsi, c'est assez rire. Je me retire. Et moi aussi. Je prends congé. Très obligé. Alors adieu. Adieu, messieurs. J'ai réfléchi. Il n'y a qu'une solution. Je lui ferai quitter l'armée. Je vous salue, Catherine. Florent, qu'en a-t-elle au coupé? Charmant petit Octave. L'appartement de Fanny Grandpré, rue de Rivoli. Un jeune peintre termine le portrait de Fanny en miniature, en présence de Céleste, la fidèle servante. Un instant, il manquait un peu d'or sur cette mèche à droite. Il n'y a pas à dire, c'est ça. Mieux que ça, ça y est, tout à fait. L'œil qui rit, la manière de porter la tête, la couleur du ruban, et tout ça avec des pinceaux si fins. Oh, faut être capable, il n'y a rien à redire pour sûr. La main et la bouche, oh, elle va parler la bouche. Elle parle. Je peux voir? Non, non, il suffirait d'un coup d'ongle. Le cadre est prêt. Voici, mademoiselle. Et me voici désormais attaché à la gloire. Grâce à vous, grande artiste. Non, parce que vous avez fixé un grand bonheur. Merci.
Au revoir, mademoiselle Grandpré. Au revoir, monsieur. Attention à la cinquième marche! Elle est usée. 5 heures. Elle goûtait pas prêt. Rien ne presse aujourd'hui. Octave a dû rendre visite à sa tante. Mais j'ai des petits sablés au four. Monsieur Octave les aime tant. Oh, mademoiselle remarque. J'ai dit monsieur Octave au lieu de monsieur le marquis. Oh, c'est sa faute. Il est si familier. Un peu trop, même, avec une simple domestique. Je finirai par le lui dire. Ma pauvre Céleste, comment pouvez-vous tant parler? Un seul mot. Partons-nous pour Londres. Vous le verrez bien. Ça ne me déplairait pas, s'il n'y avait pas la traversée de l'océan. Déjà lui? Mais non, c'est pas son coup de sonnette. Le sien est franc, bien appliqué. Celui-là est à la fois timide et insistant. Ça doit être une note. Oh, ça note monsieur Brunner, le jeune! Le papa est pas malade, au moins. Chère mademoiselle, je n'entre qu'en passant. J'ai tant à faire. Pensez que le départ pour Londres est pour demain matin. Les cabines sont retenues, le wagon réservé, un wagon capitonné. Mon père serait heureux d'une bonne réponse. Comme vous m'embarrassez, monsieur Brunner Junior. Pour vous, bonne réponse, ce serait mon départ. Mais départ est un mot ou charmant ou terrible. C'est ce que je me dis, justement, parce que c'est moi qui dois vous accompagner. Dites oui. Votre accord nous enchanterait. Et moi, peut-être, monsieur, il me ferait mourir. Tenez, si par hasard j'avais déjà promis, je crois que je serais parjure sans remords. Mais il s'agit de votre avenir. Il dépend du présent. J'ai encore de l'espoir. Voici le contrat. Il faut le lire. À tout à l'heure, adorable diva. Je reviens tout de suite. Jésus! Et mademoiselle a-t-elle lu seulement le papier qu'il lui a laissé? 700 francs par mois? Mais ce sont les Rothschild! Bonjour, Céleste! Bonjour, Fanny! Non! Un instant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vous regarde. Mais c'est une inspection? Pas d'observation? Plutôt des compliments. Non, c'est pas un mot très militaire, hein. Enfin, permission de venir plus près, mon amour? Oui. Mais tu ne veux pas que je t'embrasse? Mais qu'est-ce que nous venons de faire, alors? Oh, nous dire bonjour à peine. Il faut que ça suffise. Pourquoi? J'en ai le sentiment. Oh, c'est aimable pour moi. Oui, plutôt. Vous ne serez pas resté longtemps chez votre bonne tante. C'était très important. Oh, ce n'était qu'ennuyeux. Mais ce qu'il est davantage, c'est qu'il me faut partir, et partir presque tout de suite. Comment? Tu entres, tu m'embrasses et tu sors. En somme, presque une figure de valet. Mais nous sommes commandés de service. Il y a revue au carousel, mais je me suis entendu avec mon capitaine. Comme les troupes défilent juste devant chez vous, je sauterai en selle au passage. Hein? Oh, mais pourquoi aujourd'hui es-tu encore plus belle? J'ai peut-être pensé à toi un peu plus que les autres jours. Oh, mon amour. Ce n'est pas une raison pour passer à l'assaut. Mais c'en est une, entre autres. Chérie, je vous en prie. Oh. Vous avez envie d'attaquer et je n'ai aucun désir de me défendre. La lutte serait trop inégale. Oh, pardon. Mais je reconnais cette robe. C'est celle... Du premier soir. Au Palais des Fleurs, quand je suis venue t'inviter. Moi qui danse si mal. Je ne voulais pas reprocher. Je ne me doutais pas que vous étiez danseuse. Je ne me doutais pas que vous étiez marquise. Je l'ai deviné tout de suite. Moi, à vrai dire, je ne pensais plus à rien. Et pourtant, je n'ai rien oublié de ce soir-là. Cœur à cœur, dans un cadre enchanteur, la musique aux accents.
caressant, m'entraîner malgré moi vers l'amour et vers toi. Non, jamais je me rappelle, la vie ne m'a paru si belle. Et la voix du violoncelle m'enivrait langoureusement. C'est toujours un doux péril qu'une valse au mois d'avril. La musique me troublait, il me semblait que le violon me parlait. La valse me grisait, et voici. Dis-tu ça? Oh, je pensais à des gens très malheureux. Des vieux qui n'ont rien su garder de la jeunesse. Même pas ce qui était si facile, l'indulgence. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le pressentiment que tu ne me dis pas tout. Oh, qu'est-ce que je pourrais bien te cacher? Il ne s'est rien passé chez ta tante, rien qui t'ait peiné. Dis-le-moi, je t'en prie, puisque rien n'existe plus pour moi que ce que tu aimes, ce qui t'est cher. Amour, dis vite, tes yeux ont changé. Tu n'es pas triste. Triste? Près de toi? Oh, je crois que je mourrais pour ne pas te voir triste. Oh, misère en Prusse! Mais qu'est-ce qui vous arrive, chère Céleste? Il y a là, attendant dans l'antichambre et assise sur la banquette, ce que j'appelle une dame. Oh, mieux que ça, une marquise. Et moi qui ai justement enlevé les rideaux. Une marquise? Oui, la tante d'Octave. Oh, pardon. De Monsieur Octave. Oui, vite, Céleste, allez. Octave, veux-tu me présenter, mademoiselle? Mais bien sûr, voyons. Ma tante, voilà, c'est elle, Fanny. Ma tante de Chalancey. Ah, et puis Céleste, que j'oubliais. Bonjour, Céleste. Madame la marquise, si nous avions su, hein, j'aurais remis les rideaux, mais... Justement, ils sont à la lessive. Allons, faites-les-moi voir ces beaux yeux qui ont ensorcelé notre Octave. Eh oui, c'est comme ça que l'on s'exprimait dans ma jeunesse. Eh oui, il a bon goût. Très bon goût. Venez là, près de moi. Toi, tu te demandes ce que je viens fabriquer ici. Oui, ma tante. Évidemment, surtout après la scène de tout à l'heure. Mon Dieu! Non, mais je vous en prie, ma tante, cela a si peu d'importance. Une scène, Octave? Ah, tu ne lui en avais pas parlé. Un mauvais système, mon petit, il faut parler. Les choses deviennent tout de suite si simples. Mon enfant, vous ne serez pas surprise, n'est-ce pas, puisqu'il s'agit de mariage, que toute la famille se soit un peu gendarmée. Oh, mais n'ayez pas peur, voyons. Je ne viens pas ici comme le vieux père dans cette pièce du fils Dumas. Non, je suis venue. Enfin, j'étais venue. Au moment de vous dire pourquoi, je m'aperçois que je suis une vieille bête. Moi qui vous imaginais un qui est désespéré et pleure.
Et vous étiez sans doute en train de vous embrasser. Ça, j'aurais dû y penser. Oh, mon Dieu. J'ai plus aucune mémoire, moi. Enfin, puisque je suis là, Octave, tu as entendu, ce vieux dur à cuire de maréchal va certainement te faire déposséder ton titre et ton apanage. Alors, je suis venue simplement pour te dire que tu peux compter sur la douairière. Quoique le douaire ne soit plus bien gros. Mais madame, de mon côté, je commence à gagner beaucoup. Ma petite enfant, une marquise de Chalancey, ne passe pas les fins de mois à la caisse de l'opéra. Madame, je suis bouleversée. Je vous jure que je n'avais pas pensé que la famille d'Octave s'opposerait à... Je comprends très bien que vous n'y pensiez pas, car vu d'ici, la chose prend un tout autre aspect. Va donc regarder un peu à la fenêtre, toi. Pardon? Oui, oui, comme quand tu étais petit. J'y vais maintenant. Vous êtes délicieusement jolie, mon enfant. Vous me paraissez aussi bonne, gaie et brave. Alors, je m'en vais tranquille. Je suis sûre maintenant qu'Octave ne fera pas en vain un si lourd sacrifice. Un sacrifice? Ah, mais c'est ça surtout que je venais vous dire. Il faudra le lui apprendre, mais avec ménagement. On veut lui faire quitter l'armée. Quitter l'armée? L'épreuve sera cruelle. Son régiment, c'était, disons le mot, sa vraie famille. Mais vous serez là. Et il l'oubliera vite. Mais madame, il adore son métier, il m'en parle sans cesse. À vous de faire en sorte qu'il ne regrette rien. À vous revoir, ma jolie belle. Au revoir, madame. Octave! Oui. Elle est charmante. À bientôt, n'est-ce pas? Je vais vous accompagner, ma tante. Non, reste. Me prendrais-tu pour une vieille? Ma pauvre bonne tante, elle est bien restée de son siècle. Hein? C'était intéressant ce qu'elle t'a dit, Touba. Elle t'aime beaucoup. Chérie, qu'est-ce que tu as? Rien. Moi aussi, je t'aime. Ben alors, pourquoi as-tu l'air triste? Mais parce que tu vas t'en aller. Oh, 5h30, c'est vrai, non? Chérie. Mais pourquoi es-tu si pâle tout à coup? Octave, et si tu devais renoncer, quitter ton uniforme? Bah, quelle idée! Ce sont eux. Ah, c'est ce qu'elle t'a dit? Ils le peuvent. Oh oui. Et tu me le pardonnerais? Rien ne compte pour moi que notre amour. Jure-le-moi. Oh, c'est bien inutile. Oh, c'est encore notre jeune monsieur Brunner. Tiens, bonjour monsieur Brunner. Vous venez parler danse, théâtre? Alors, dépêchez-vous. Monsieur le marquis, mes respects. Céleste, pour peu que vous nous apportiez une bouteille de ce vieux madère... Tout de suite, monsieur. Nous allons trinquer ensemble, monsieur Brunner. Je vous dois bien cette petite compensation. Hein? Une compensation? Oui, enfin, si j'ai le temps. Ah! Je ne l'aurai pas! Les voilà! Oh! Oh, les soldats! Oui! Ce sont les Zouaves! Deux compagnies! Et la musique au grand complet! Oh, regardez-moi un peu cet alignement et cette tenue, hein! Toutes ces petites guêtres blanches qui battent la mesure! C'est le troisième de Constantine! Alors, voyons, qui vient ensuite? C'est... le peloton de 100 gardes de service! Oui, 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 et là-bas, ce régiment de cavalerie, mais bien sûr, regarde, le voici! Fanny, voici notre deuxième hussard! Chambord hussard, premier escadron, commandant Raymond! Il vient des voltigeurs, ça se voit, hein? Les pieds en porte-manteau, ah, poudre de fantassin, là! Tiens, il monte d'Alisque! Heureusement, cette bourrique est calme aujourd'hui! Octave! Mais viens voir, Fanny! Le deuxième escadron, le mien! Le plus beau! Mon chéri! Et voilà! Avec ce pont de garé en tête, droit comme un piquet sur son grand cheval blanc. Essayez d'en faire mieux, messieurs les maîtres. Mais qu'est-ce que je vois? L'adjudant relais monte l'adjudant de son gis? Eh ben, il en a un toupet, celui-là. Attends un peu, mon vieux, attends un peu, alors... Ah, oh, tout de même, quelle allure, hein? Hein, comme tout ça défile? Sont-ils beaux, mes hommes? Sont-ils beaux? Chamboran-Hussard, le premier régiment de France et de Navarre. Noblesse oblige, Chamboran, au temps. Allez, plus de temps à perdre. À demain, mon cher amour. Un instant, mon chéri.
C'est un cadeau pour toi, pour ton anniversaire après-demain. Oh, quelle adorable miniature. Rien ne pouvait tant me faire plaisir. Mais en me la donnant aujourd'hui, tu me vieillis de 2 jours. Jure-moi que tu la regarderas souvent. Oh, tu sais que c'est très bête ce que tu me demandes là. Je sais, il ne faut pas m'en vouloir. Oh, mais sauve-toi, voyons. Maintenant, sauve-toi. Tu m'aimes vraiment? Tu ne peux pas savoir. Alors, le départ pour Londres, demain matin? Mais oui. Les coulisses du théâtre de l'Apollo à Paris, un soir de première en 1900. Hein? 2 francs. Oh, la jambe. Bah, je te mets au tableau. 3 francs. Ça t'apprendra à esguter dans la salle. Oh, si on peut plus sourire à un ami. Bah, suffit. Ici, on est à l'Apollo. Et si tu veux pêcher un souper dans l'orchestre, retourne à Parisiana. Allez, file. Oh, alors vous, vous avez pas besoin d'aller à l'exposition pour qu'on vous la montre. Et quoi? Tiens, la lune, à 1 mètre. Place à faire la sans sous. Régisseur, qu'est-ce qu'on m'a dit? On va mettre un lumineux au-dessus de la façade? Eh oui, mademoiselle Castelli. Mais pour la Grand Prix seulement. Vous auriez pu dire un mot pour moi. Ah, ma chère... Est-ce que t'es mufle? Chut! Voilà le directeur avec un journaliste. Oui, vous feriez mieux d'attendre le baisser du rideau. Ah, mon cher directeur, tout à l'heure ça va être la cohue, et au journal on veut un article pour demain matin. Avec ça, il faut encore que je passe à la case d'été. Vous êtes content, dites donc. Je vous dirai ça après la recette de samedi prochain. Tenez, voici l'homme qui vous donnera tous les tuyaux. Qui ça? Comment? Vous ne connaissez pas Brunner, le grand impresario? Pas de nom pour tout le monde. Il est ici uniquement à cause d'Yvette Grandpré, qui est un peu sa pupille. Je vous laisse. Je vais voir mon final de la salle. Monsieur Brunner, très adoré. Je me présente, Labatt, courriériste au Gil Blas. C'est moi qui signe la dame du balcon. Oui, bonjour. Mes compliments. Encore un triomphe pour mademoiselle Yvette Grandpré. Oh, attendons la fin et la presse. C'est vous qui aviez déjà lancé Fanny Grandpré, la danseuse célèbre, qui était, je crois bien, la tante de mademoiselle Yvette. Mais non, sa mère, tout simplement. Ça n'est pas moi, mais mon père, qui le premier comprit Fanny Grandpré. Il devait en avoir un œil. Oh, ça, je ne sais pas s'il est allé au paradis, mais s'il y est, les meilleurs joueurs de harpe sont sûrement sous contrat avec lui. Mmh. Dites-moi, vous désiriez... Quelques précisions. Ah, cette Yvette. Tenez, je me rappelle ses débuts, il y a 3 ans. 4. En 96, exactement, au divan japonais. Elle en aura fait un chemin. Et vous savez qu'elle n'a que le petit doigt levé pour entrer à l'opéra comique. Oh, vous me dites ça à moi? Voulez-vous une prédiction? Hein?
Avant 5 ans, Yvette chantera au Metropolitan Opera de New York. Puis-je le dire dans mon journal? Mais je vous en prie, surtout s'il se vend aux États-Unis. Merci mille fois, Monsieur Brunner. Mes hommages à Mademoiselle Yvette Grandpré. Alors, Mademoiselle Castelli, contente? Moi, contente? Eh bien, je me demande pourquoi je le serais avec un rôle pareil, une baladeuse. Eh bien, ça faut le dire à l'auteur que voici. Tiens, au 1, il était vert, au 2, il était blanc. Il commence à reprendre couleur humaine. Alors, pas trop mécontent, mon cher auteur? Oh, je te remercie pour le béquet que tu m'avais promis aux 2. 2 lignes et demie. Ah, mon petit, on ne fait pas ce qu'on veut. Un texte n'est pas un élastique. Oui, malheureusement, ton divan l'était. À toi, Castelli! Du Laurier! En scène! Du Laurier, n'oubliez pas la coupure! Oh, 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 si j'y crois! Ah, Madame Jules. Alors, comment est-elle? Toujours aussi nerveuse? Grand prix? Eh ben, vous pensez? On n'a pas pu la retrouver. Qui? La tortue fétiche! Elle a dû tomber dans une costière. Et l'ennuyeux, c'est qu'elle était incrustée de diamants. Ça, mademoiselle s'en fiche. Mais c'est un vrai sort. Elle a laissé chez elle le poil d'éléphant. La voilà. Vite, Madame Jules. Madame Jules. Mais nous avons tout le temps, voyons. Alors, comment va ta gorge, toi? Je ne la sens plus. Je ne sens plus rien. J'ai un de ces trac. C'est rare que ça se prolonge jusqu'au 3. Oh, moi, c'est toujours. Tonton. Quoi? Dis-moi, comment sont-ils? Ils sont... Et puis, non, ne me dis rien, tu mentirais. On n'a pas retrouvé Lolotte. La tortue? Oui. Ça, c'est un signe affreux. Tu verras qu'il va m'arriver quelque chose. Je vais m'étaler sur scène. Je ne sais pas. Mais je ne comprends pas. Je t'ai pourtant expliqué 100 fois que ta mère prenait sur elle. Ah, c'est pas ma faute. C'est vrai que maman avait moins le trac. Ah, jamais je ne l'ai vu perdre ses moyens. Jamais? Ah, si. Cependant, le fameux soir, à la Scala de Milan, tu sais bien? Hein? Où elle avait cru reconnaître dans la salle, à tort du reste. Ah oui, le petit lieutenant de ses débuts. Je connais l'histoire. Je comprends que ça l'ait chaviré. Moi, c'est bien simple, il y a des gens qu'il me suffit de voir, et même des noms qu'il me suffit d'entendre pour être sûr d'avoir la... Enfin, le... Tu me comprends? Oui, le mauvais œil. Enfin, calme-toi. La valse, et puis ce sera le final. Tenez... Tâtez mes mains, Mme Jules. Oh, vous êtes une vraie artiste, ça c'est sûr. Oh! Oh, monsieur pompier! Mais pardon? Laissez-moi toucher votre casque. Voilà, mademoiselle. Et puis, vous voulez être gentille? Dites-moi, zut. Oh, mademoiselle, vous plaisantez. Hé, là, votre ami qui s'amène. Oh, lui, c'est plutôt un bon signe. Oui, hein? Il a une tête à être heureux au jeu. Qu'est-ce que vous faites sur le plateau? Je suis venu te dire que ça marche admirablement et que... Oh, je t'en prie, ne me dis rien. Tous mes compliments, mademoiselle. Yvette, ça va être à toi. Oui! Ma chère, je vous présente mon ami, le marquis Philippe de Chalancey. Quoi? Chalancey? Chalancey. Oh! Ah, ça, c'est le bouquet, tonton. C'est à vous, mademoiselle Yvette! Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. Les nerfs? Mon cher Philippe, je vous présente monsieur Brunner. Oh, monsieur est bien le marquis de Chalancey? Lui-même. Eh bien, ça alors... Vous êtes un parent de mademoiselle Grandpré? Non, monsieur. Elle m'appelle son oncle, mais c'est inexact. Inexact et triste. Quand les jeunes femmes commencent à vous appeler mon oncle. Oh, ça je sais bien. On dit que les jeunes femmes préfèrent les hommes mûrs. Ah, qui dit ça? Les hommes mûrs. Philippe, vous montez chez la petite Castelli? Castelli? Oh, mon cher, vous avez 10 longueurs de retard. Comment? Je vous ai vu avec elle au palais de glace, il n'y a pas 15 jours. C'est bien ce que je dis. Non, je voudrais savoir pourquoi Yvette Grandpré m'a reçu de la sorte. Vous permettez que je lui demande? Je permets, mais sans entrain. Oh, dites donc. Vous voulez que je vous envoie mes témoins? Je suis bien tranquille. Yvette a 1000 défauts, mais elle est sérieuse. Tiens. Voyons, Chalancey, une femme comme elle, qui est bijoutée, qui a son petit hôtel, des attelages... Son électrique. Et vous? Et moi? Avec ça, elle adore son métier. Elle se soucie d'une aventure autant que de son premier crochet à bottine. Messieurs, c'est la valse. J'ouvre la porte, vous allez l'entendre. Tu es très volant, je n'ai-ce pas ton âge. Ton cœur est trop léger et vole par étage. Papillon frivole, tu ne peux pas t'engager à ne plus voltiger.
clémence, car j'en souffrirai, je le sais d'avance. Qu'importe, je l'ose, oui, je suis ta chose. Et sans penser au regret, au chagrin que j'en ris. Je t'aime quand même, j'ai prise ton cœur soumise. Je viens à toi dès que je vois tes yeux. J'hésite. Vous ne l'avez pas. Quoi? Le mauvais œil. Et pourquoi est-ce que je l'aurais, le mauvais œil? Oh, c'est toute une histoire. Hein? Une vieille histoire. Vous me la raconterez? Vous ne la connaissez pas? Ah, pas la moindre idée, non? Je vous la raconterai si vous y tenez, mais pas en ce moment. Est-ce que je peux vous dire pourquoi j'ai tellement tenu à vous connaître? Comme vous allez me le dire de toute façon. Eh bien, figurez-vous que j'ai chez moi votre portrait. Vous allez acheter des photographies chez Rutlinger? À votre âge? Non, c'est une miniature du siècle dernier, mais qui vous ressemble à un point. Une miniature? Mais oui, parbleu, la miniature. Bien sûr, c'est vous qui l'avez, mais la voilà, l'histoire. Je suis diablement intrigué. Oh, j'aimerais bien la voir. Mais le jour qu'il vous plaira, 213-27. Hein? Oui, j'ai le téléphone. Je vous l'inscris? Non. Vous ne voulez pas souper avec moi? Vous plaisantez. D'abord, je soupe avec mes camarades, comme à chaque première. Et on peut savoir où? C'est mon ami qui décide. Nous nous retrouverons tout d'abord chez Maxime. Et si je vous demandais à vous revoir tout de même, qu'est-ce que vous me diriez? En scène, mademoiselle de Tremblay! Oui, je viens! Excusez-moi. Minuit, dans la rue, devant la sortie des artistes. Non, pas du tout. Alors, qui attends-tu?
Mais personne. Si, ma Victoria et mon cocher. Tu ne m'en veux pas de ne pas rester avec toi. Je n'y songe pas. Ce soir, je soupe avec mon compositeur. Tu comprends? Mais je connais les usages. Quand tu y penseras, renvoie-moi le corset noir que j'ai laissé rue de la Baume. Entendu. Au revoir, petite rosse. Hé, Plaga! Cocher! C'est vous que j'attendais, M. Brunner. Moi? Mais oui, j'ai un petit cervelet de tout ce qu'il y a de bien suspendu, mais qui n'aime pas mijoter trop longtemps. Qu'est-ce que ça signifie, tout cela? Yvette Grandpré me connaît? Vous aussi? C'est une très vieille histoire. Oui, ça, elle me l'a dit, mais je ne demande qu'à m'instruire. Vous voulez savoir la raison de sa ressemblance avec cette miniature? Vous posez le doigt dessus. Ah, pour moi, ce sont des souvenirs émouvants. Vous les jugerez démodés. Vous allez sûrement en rire. Oh. Oh, ça y est, je vois le coup. À nous, la croix de ma mère. Ah, chic, alors on est en plein mélodrame. Suivons le guide, je vais à la rue Royale, je vous cracherai chez Maxime. Tenez, passez-en. Merci. Quelques minutes plus tard, chez Maxime. C'est un air qui nous vient d'Amérique. Espérons que ce sera le dernier. Une danse de nègres, à ce qu'on a dit. Oui, c'est leur quadrille des lanciers. Où allons-nous? Mes respects, monsieur le marquis. Bonsoir, Eugène. Bonsoir, Philippe. Comment me trouves-tu? Mais très en forme, du rein et du poitrail. Pour trouver un jockey d'ici une heure, je te donnerai pas plus de 3 contre 1. C'est aimable, ça. On fait ce qu'on peut, on n'est pas des vieux. C'est vrai ce qu'on dit? À présent, tu nous trompes avec des femmes du monde. Vous nous trompez bien avec vos cochers. Que ça veut dire? On a quelquefois besoin de retrouver les siens. Ah, Philippe, quelle bonne soirée il y a 8 jours. C'est beau, la mémoire. Ce soir, je ne peux pas rester avec toi. J'ai mon russe. Mes compliments, Arlette. Son russe, elle voudrait bien. C'est un professeur de jiu-jitsu. Monsieur le marquis veut-il cette table? Merci, Eugène, je me tâte. Ah, monsieur Brunner. Dites-moi, mais vous êtes très connu ici. Bon. À côté de moi, le loup blanc est un petit anonyme. Et vous avez renoncé à monter au cercle? Mais ça prouve sans doute que ma petite histoire vous a intéressé. On ne peut rien vous cacher. Je l'adore, votre anecdote. Elle est vieux jeu en diable. La danseuse et le hussard, c'est d'un édifiant. Je m'excuse, je m'occupe de mes invités. Je vous en prie, ne les laissez pas froidir. Ah, Eugène, il paraît que ça ne s'est pas fait sous le Second Empire. Quoi donc, monsieur le marquis? Rien. Non, je pense à une vieille dette qu'a laissée le paternel. Et que ça m'amuserait bigrement de payer. Ah, enfin! Yvette est là. Elle s'est arrêtée à une table où on la félicite. Je viens d'avoir
Ce soir, tant pis, toutes les infractions du monde. Voyons, qu'est-ce qu'on fait? On reste, on s'en va? On vide les verres et on se défile. Le revoilà. Le jeune Chalancet? Oui, nous sommes même venus du théâtre ici ensemble. Et tu lui as raconté? Mais il fallait bien. Sans quoi je me demande ce qu'il aurait pensé. Il n'est pas mal. Il ne doit pas être très sérieux. Non, 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 plutôt gai. Pourquoi tu fais ça? Pour me rajeunir. Il ressemble un peu à son père. Ouais. Mais maintenant, je vais avoir du mal à m'en débarrasser. Tiens, regarde-le. Il a un œil là-bas et un autre ici. En crois-tu? Tant pis pour lui. J'espère qu'il a du souffle. Parce que pour ce qui sera de courir... Maître d'hôtel, l'addition. Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est à moi. Vous partez? Oui. Alors je vous attends. Jusqu'à 7h, 8h du matin.